Bonjour et bienvenue sur les tutos de la médiathèque de Montélimar pour la ressource numérique caféine. Donc sur l'écran d'accueil de la médiathèque de Montélimar, nous allons nous diriger sur les ressources numériques. On arrive sur l'écran général avec toutes les ressources qui vous sont proposées par la médiathèque. Et ici, vous avez le PDF explicatif avec toutes les ressources disponibles. Nous allons voir du coup la presse en ligne en cliquant sur les différents liens. Vous pouvez accéder ici ou avec le cliquer ici qui est en bas. Vous avez également la possibilité d'arriver par le menu déroulant. Une fois sur la page, vous avez une courte description qui vous explique ce qui vous est proposé. Vous pouvez vous connecter avec le bouton pour euh, arriver sur votre euh, connexion personnelle. Accédez directement à la presse en ligne si vous êtes déjà connecté. Et si vous avez besoin d'aide, vous avez le PDF explicatif en pas à pas et la FAQ de caféine qui est disponible directement par la ressource. Nous allons nous connecter. Votre adresse mail que vous avez donnée lors de votre inscription et le mot de passe qui vous a été envoyé dans la foulée sur votre adresse mail. Si vous l'avez perdu, vous pouvez aller sur mot de passe oublié pour en, ré... pour en générer un nouveau. On arrive donc sur son compte en retournant ressources numériques Caféine Presse en ligne et on accède à la presse avec le bouton. Pour la première connexion, vous pouvez cliquer sur Découvrir et vous accéder à la ressource. Sur la page d'accueil, vous avez accès à toutes les ressources. Les ressources qui vous sont montrées sur l'écran d'accueil en titre favori sont ceux que vous générez vous-même. Donc lors de votre première connexion, vous ne les verrez pas. Vous verrez tous les titres presse sur le petit carrousel déroulant. Dans la part, vous avez les actualités, la presse régionale, la presse People, la technologie, moto, culture et toutes les catégories. Vous pouvez les retrouver dans toutes catégories. Si vous avez un titre ou un article spécifique, vous pouvez aller dans la barre de recherche directement. Et lorsque vous descendez vers le bas, vous pouvez reprendre vos lectures. Si vous avez déjà commencé une presse, vous n'avez qu'à cliquer sur la vignette. En dessous, vous allez avoir toutes les actualités et les différents thèmes à découvrir, avec le point, la presse, l'Express, le Paris Match, etc. Sur l'écran d'accueil, vous allez retrouver tout ce qui vous est proposé dans la barre de recherche et vous pouvez voir les vignettes directement si ça vous intéresse. Donc, pour les titres favoris, si vous souhaitez avoir un document favori, vous pouvez cliquer sur la presse qui vous intéresse, arriver sur la page générale. Vous allez avoir la presse en elle-même. Vous pouvez l'ajouter en favori avec ce petit ajouter en favori, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux ou à des amis en direct. Et vous pouvez lire ce numéro et accéder à toutes les archives de ce titre, donc des presses précédentes. Et vous verrez la date de parution en dessous de chacun. Une fois sur l'écran d'accueil, vous pouvez voir que la presse Le Parisien est bien arrivée dans les titres favoris. Maintenant, nous allons aller dans Ma bibliothèque. Et vous pouvez retrouver tous les titres que vous avez commencé à lire. Et ici, vous allez avoir les articles enregistrés. Et vous pouvez vous constituer ainsi votre propre bibliothèque. Avec tous les numéros que vous avez lus et vous pouvez les relire autant de fois que vous le souhaitez. Lorsque vous êtes arrivé sur le document, vous pouvez vous déplacer librement dans celui-ci et vous pouvez aller euh, vous déplacer aussi avec le clavier si vous souhaitez euh, vous déplacer comme ça. Euh, vous pouvez imprimer du coup la double page ou la page seule. En cliquant sur imprimer en haut à droite et le faire directement de la. De... Vous pouvez l'imprimer directement depuis chez vous ou par la médiathèque avec les impressions à 10 centimes. Du coup, dans cette petite bulle en haut à droite, vous avez votre compte, l'aide si vous voulez la FAQ et la déconnexion pour revenir à l'écran classique. J'espère que ce tuto vous aura été utile et à bientôt dans la médiathèque de Montélimar.